Mélangez une betterave avec un concombre et je vous assure, vous l'apprécierez. Surtout lorsque vous aurez les bienfaits que ceci apporte à votre santé. C'est fabuleux, c'est incroyable. Une fois les deux combinés, ça prendra définitivement soin de votre santé. Avant de vous montrer comment préparer ceci, surtout pourquoi le préparer et qui peut consommer ceci, comment le consommer, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau ou même encore vous êtes nouvelle et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, faites-le. Likez, commentez, partagez sur vos réseaux sociaux favoris avec la famille, les amis et surtout avec les ennemis. Tous ceux et celles qui ont des problèmes de santé, qui souffrent de troubles hépatiques, ceci permet de stimuler le processus de désintoxication du foie. Parce que la betterave a la couleur violette, c'est un puissant agent capable de supprimer le développement de certains types de cancers. Les betteraves sont riches en fibres, ça exerce donc un effet favorable sur la selle et ça permet de prévenir la constipation. Ça permet aussi de réduire les niveaux de cholestérol. Son jus apporte des avantages incroyables à votre corps. Ceci aide à combattre le vieillissement. Grâce aux radicaux libres, sachez que les fibres de la betterave permettent d'augmenter les niveaux d'enzymes et d'antioxydants dans le corps. Ça permet aussi d'augmenter le nombre de cellules sanguines cibles responsables de détecter et d'éliminer les cellules anormales. Le nombre de radicaux libres dans le corps. En numéro 2, ça réduit le mauvais cholestérol, les niveaux de pression artérielle. La betterave est connue pour avoir une grande quantité de flavonoïdes solubles. Ça va donc permettre de nettoyer les parois là où se sont déposés des résidus de cholestérol et ça va la débarrasser du corps. Profitez-en pour partager cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Ceci permet de lutter contre l'ostéoporose. La betterave est pleine de silice minéral qui est un élément important pour le corps. En numéro 4, ça améliore la santé et même les performances sexuelles. Également connue sous le nom de Viagra naturel, la betterave a été couramment utilisée dans de vieilles coutumes pour améliorer la santé sexuelle. Parce que c'est un légume riche en sources de nitrates, ça aide à libérer de l'oxyde nitrique dans le corps. Et du coup, ça aide à l'expansion des vaisseaux sanguins pour augmenter le flux sanguin vers les organes génitaux. D'autres avantages de ceci, ça aide à une très bonne cicatrisation des plaies. C'est donc idéal pour lutter contre les cicatrices kéloïdiennes. Et bien sûr, ça permet de lutter contre le vieillissement prématuré, ça nettoie le foie, ça empêche l'accumulation d'amas graisseux, ça aide à éliminer les toxines du corps, ça renforce le système immunitaire, ça aide à une très bonne santé digestive. Et donc, vraiment, les vertus et les bienfaits n'en finissent pas. Donc, dites-moi de là où vous suivez ceci, si vous êtes en Afrique ou même dans d'autres pays, comment appelez-vous la betterave dans votre pays? Bien sûr, du côté du concombre, vraiment, on a tellement de choses à dire sur le concombre. Ça aide à la perte de poids, c'est faible en calories, c'est riche en fibres, ça augmente la sensation de plénitude, de satiété et surtout, c'est bon pour améliorer la circulation sanguine. Et parce que c'est faible en gras et que c'est riche en eau, en antioxydants, c'est bon pour rajeunir le corps. En numéro 3, ça favorise l'hydratation. Car c'est composé à 96% d'eau, donc ça va hydrater le corps. Numéro 4, c'est exceptionnel pour votre transit intestinal. Grâce à sa forte teneur en fibres, ça aide à réguler et à augmenter la fréquence des selles. Ça va aussi aider à combattre la constipation, réguler le taux de sucre dans le sang pour les diabétiques. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous avez aimé ceci. Aussi, pensez bien à me mettre le pays depuis lequel vous me suivez. Maintenant, sachez que je vais vous montrer comment préparer cette combinaison de deux ingrédients seulement qui vous éloigneront des médecins pendant très longtemps. Une fois prête, il faut servir ceci. Buvez-le de préférence le matin avant le petit déjeuner. Prenez ceci pendant au minimum une semaine. Et voilà, vous allez commencer à constater les résultats. Et bien sûr, il n'y a pas de date limite à cette consommation. Vous pouvez le faire périodiquement, ponctuellement ou même tout le temps. Inclus ceci à vos boissons quotidiennes. Mes chéris, si vous êtes arrivés jusqu'à la fin, marquez-moi le mot santé
dans les commentaires et je saurai. Je vous remercierai chaleureusement en vous mettant en cœur. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.